Salut, c'est Mick, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, un épisode nature, hein, je vous l'avais promis. Alors ici, tout simplement, un petit épisode, je vais venir me poster, enfin, je vais venir, j'y suis, me poster deux petites heures ici en forêt au petit matin, photographier quelques passereaux. Il y a énormément de passereaux ici. Alors, pour le moment, on arrive encore à discerner une espèce d'une autre par rapport au champ, mais bientôt, une fois que le soleil aura bien percé, qui sera au-dessus, ça va être une symphonie ici extraordinaire et ça va être compliqué de discerner vraiment une espèce d'une autre. Le soleil va se lever, alors il n'y a pas d'atmosphère aujourd'hui avec la brume, etc. C'est pas grave, on fera avec. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour faire des photos de passereaux. Donc je vous rappelle toujours que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un petit like si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Voilà, c'est toujours le même blabla, mais voilà, c'est important, c'est le soutien, le seul soutien que vous pouvez m'apporter actuellement pour poursuivre un petit peu mes aventures photographiques et nature. Voilà, c'est de vous abonner, activer la cloche, like, commenter, etc. N'hésitez pas. Et ouais, le soleil est en train de percer, je le vois un petit peu rougeoyant à travers les branchages là-bas. Donc, à mon avis, encore un quart d'heure, 20 minutes, et je pourrai commencer ma petite séance photographique et vous expliquer un petit peu en détail mes réglages et comment j'aborde ce type de photo pour essayer de donner à mes clichés un aspect un petit peu particulier et sortir un petit peu des photos d'oiseaux traditionnels. Voilà. C'est tout pour le moment. Donc, petite intro et on se retrouve après avec le soleil. Tous les passereaux. Alors ici, je me suis un petit peu avancé dans la forêt. J'ai encore revu mon ami le sanglier, qui à mon avis a pris un petit peu les petits sapins là-bas comme endroit pour dormir, parce qu'à chaque fois que je l'ai rencontré, alors j'espère ne pas trop l'avoir importuné, mais ça faisait quelques temps qu'il ne venait plus, et ce matin de nouveau. À mon avis, il vient dormir dans ces bois-là, dans cette espèce de petite sapinière. Et forcément, moi qui arrive dans la forêt, parfois je pense l'effrayer malheureusement. Je devrais probablement, quand je viens sur cette zone ici, faire le tour pour être certain que je ne l'embête pas. Après, il ne s'est pas non plus enfoui. Mais il a quitté sa zone calmement. Voilà. Enfin bref. Donc je suis venu un petit peu dans cette zone qu'on a un petit peu repérée avec un pote, avec Adrien. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ait placé des affûts ici. Parce que pendant tout un moment, j'ai pas mal prospecté cette zone. Il y avait pas mal de chevreuils. On pensait d'ailleurs même en fait qu'ils dormaient dans toute cette sapinière ici derrière. Puis qu'au petit matin, ils sortaient et ils allaient dans la forêt. Voilà. C'est un petit peu le scénario qu'on s'imaginait. Parce qu'on a... En ayant été un petit peu dans cette sapinière, on voyait qu'il y avait un peu des endroits où on voyait clairement qu'ils avaient dormi. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour.
c'est les passereaux, le sujet du jour. Voilà. Ici, j'ai repéré un piquet pêche. Voilà, cool. Ça faisait un petit temps que j'en avais plus vu. Alors, j'étais vraiment tout fou. J'étais en train de bien le suivre en le filmant, etc. J'avais oublié d'appuyer sur le rec. Abruti. Bon, il fait encore fort sombre, hein, donc les photos que j'ai faites sont pas terribles. Donc voilà, c'est comique, il passe d'un arbre à l'autre. Et maintenant, je ne sais pas trop où il est. Voilà, c'est un petit peu par hasard que je suis tombé dessus. Je suis venu ici un petit peu pour regarder. Et oui, donc cette zone, on voit qu'ils ont de nouveau encore coupé des arbres, des branches, etc. Donc je pense, je peux me tromper, que ça a peut-être fait un peu fuir. Ça a peut-être fait un peu fuir la faune. Enfin bref, on verra bien. Ici, je suis juste pour faire un petit peu quelques passereaux. Et pour partager un moment en nature avec vous, je vous ai dit qu'il y a des nouveaux épisodes nature qui allaient arriver. Alors ici, c'est un petit assez cool. Je vais rester dans le bois peut-être 2 heures. Et essayer de faire tous les petits passereaux que j'ai vus dernièrement. Donc il y en a quand même pas mal et énormément d'espèces ici. Dans ce petit coin de forêt. Voilà, c'est mon petit coin où je fais le plein d'énergie, parfois en allant avant le travail. Je passe ici un quart d'heure, 20 minutes. Alors, il est rare que je sois en avance au boulot, mais voilà. Donc, la nature est déjà éveillée depuis pas mal de temps. Je suis ici depuis 6 heures, donc il faisait encore légèrement sombre. Voilà, tous les oiseaux commençaient déjà bien à chanter. Donc, moi, ce que j'attends, c'est que le soleil soit un petit peu plus haut pour vraiment raser toute cette partie ici. Et essayer de me mettre un peu en contre-jour, etc. Je vais essayer de vous faire des photos tip-top et je vous expliquerai un petit peu comment vous pouvez faire pour un petit peu embellir vos clichés d'oiseaux ou autres. Hein. Ça marche aussi dans d'autres cas. Alors j'entends parfois des bruits, je me dis que c'est le sanglier qui revient sur sa zone. Parfois en forêt, dès qu'il y a un petit bruit un peu suspect, on est vite sur les... On voit qu'ils viennent parce qu'il y a la base des arbres, on voit qu'ils se sont frottés dessus. Il y a quelques souilles sur un petit chemin qui est là-bas. Bon, je vais regagner l'endroit que j'étais tout à l'heure. Alors, en fait, le sanglier, il se met dans la zone. Alors, je ne sais pas si je le montre correctement, vous voyez toute cette petite sapinière-là. Alors, forcément, vous vous aventurez dans le bois, vous ne vous doutez forcément pas qu'il est vraiment tout proche de vous, en train de dormir, probablement. Et donc c'est toujours embêtant de les déranger un petit peu dans cette quiétude matinale, enfin que ce soit matinale ou autre. Alors j'aperçois le soleil rougeoyant à travers les branchages de la forêt. Vous voyez ici, ils ont... couper toutes des branches et tout ça, on avait placé des affûts avec Adri dans la partie un petit peu sur le côté là-bas. Bon voilà, je pense que on ira les positionner ailleurs. Il y a d'autres endroits que je connais assez bien où la faune est bien présente et voilà. Il commence à y avoir pas mal de vols de passereaux un peu partout, ils commencent à faire leurs allers-retours, etc. Mais une fois que le soleil est levé, autant vous dire qu'au niveau des chants d'oiseaux, on ne sait plus discerner une espèce d'une autre. Enfin bref. Il n'y a pas de brume, il n'y avait pas assez d'humidité que pour avoir une brume matinale. Ça aurait été génial pour l'ambiance évidemment. Vous commencez bien à me connaître, vous savez que ces ambiances matinales avec de la brume, etc. J'adore, mais bon voilà. On ne peut pas tout prévoir non plus. Bon, je vais aller me positionner comme je vous l'ai dit, dans la zone là-bas. On se retrouve là-bas. Je suis pas mal posé là. Je vais choper un petit morceau de bois. Je vais m'asseoir dessus. Soyez à l'aise. Quand vous faites un petit peu comme ça de la photo, vous allez rester statique. Un moment, moi je restais assis sur les genoux, mais qu'est-ce que c'est pénible. Je me suis mis à mon aise. Là, je viens de photographier un gros bec flou. Là, c'est une galère, la mise au point sur des petits sujets comme ça.
Donc j'ai dû passer en manuel, mais le temps que je passe en manuel, c'était trop tard, il était parti. Mais je savais qu'il y avait des gros becs ici, parce que j'ai repéré l'autre fois un nid de gros becs, ils étaient deux. Donc il y a des gros becs ici, et la photo, je ne sais pas si je vais vous la montrer, parce qu'elle est bien floue. Vous direz même, mais comment il arrive à reconnaître que c'est un gros bec alors que la photo est floue? Bon, bref, donc regardez ça, extraordinaire. Extraordinaire. Alors, il se peut, comme dans toutes mes vidéos, que je dise beaucoup de fois, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais voilà. Je n'ai pas encore trouvé d'autres termes, je devrais peut-être inventer un terme pour définir ce que je ressens comme ça, au petit matin. Donc, je me suis positionné à un endroit, après, je vais aller à différents petits endroits. Je ne vais pas commencer à aller à gauche, à droite, parce que je vois des oiseaux là-bas. Vite aller là-bas. Et puis, nous, ils seront ici, par expérience. Placez-vous un endroit, passez-y une demi-heure, trois quarts d'heure s'il le faut, puis changez d'endroit et restez-y. De toute façon, vous allez voir qu'ils voyagent et vous aurez nettement plus de chances d'avoir de belles photos et de pouvoir observer correctement la nature si vous postez un endroit que vous y restez. Donc voilà, je me suis posté ici. Il y a un arbre à pic là. Alors, très sincèrement, je suis venu l'observer plusieurs fois cet arbre-là. J'ai plus jamais vu aucun oiseau aller dessus, à part une fois une mésange huppée qui s'est posée dessus. Hormis ça, j'ai jamais vu un pic sur cet arbre. Il est en train de pourrir. À mon avis, il faudra pas plus longtemps avant qu'il s'écroule. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces ici. Donc, bah, des gros becs, je viens d'en faire l'expérience et j'en ai déjà fait l'expérience précédemment car il y a un nid. Là-bas dessus, en fait, très sincèrement, je photographiais parce que je voyais qu'il y avait des oiseaux, mais ils étaient assez loin, je pensais que c'était des pinsons. Et en revenant à la maison et en développant les photos, je regarde, mais je me dis, ben non, c'est des gros becs, ça c'était la première fois que j'en observais. Donc, c'est assez cool, hein. C'est vraiment, c'est le regard qui m'impressionne chez cet oiseau. Alors forcément aussi, bah, tout ce qui est merle, rouge-gorge, des bruants jaunes. Alors apparemment, on en voit moins, mais... Ici, c'est une zone où il y en a assez bien, donc c'est chouette. Ben, on a fait l'expérience avec le piquet pêche tout à l'heure. Des pics, il y en a, mais je n'ai pas encore commencé à prospecter les zones, etc. Mais bientôt, une fois que le soleil va être bien levé, on va les entendre aux quatre coins de la forêt. C'est incroyable. Forcément, tout ce qui est mésange bleu, mésange charbonnière, mésange huppée, un jet. Il y a un jet qui vient de me passer, mais comme une balle au-dessus de la tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il se peut que j'oublie des espèces, hein, mais je les reciterai peut-être en cours, des pinsons, forcément. Je les reciterai peut-être en cours de vidéo. Et il y a une chose que je veux faire, il me nargue, enfin, il, quand je, c'est l'espèce, hein, me nargue depuis assez bien longtemps, c'est le troglodyte mignon. J'en observe assez fréquemment ici. Le problème, c'est que pour les photographier, c'est tellement petit et furtif et j'ai pas un boîtier qui fait la mise au point sur l'œil de l'animal, etc. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu galère à photographier. Des sittelles, évidemment, il y a des sittelles. Hein. Mais vous voyez, il suffisait que je dise que l'arbre à pic n'est plus fréquenté. Alors, c'était pas un pic, hein, mais il y a un oiseau qui est sorti d'un des petits trous. Alors, je n'ai pas su l'identifier, j'étais un peu pris de court. Mais donc il y a certainement bien un nid dans une de ces petites loges, dans l'arbre mort, là juste en face. Bon, je sais pas ce que c'était comme oiseau. Bref, c'est pas grave. Alors le soleil tarde quand même... à se lever. Donc on est quand même dans une zone assez sombre. Ce qui est intéressant en photographie en général, en tout cas c'est ma perception des choses, c'est d'avoir quand même une lumière pour pouvoir avoir un contraste sur le sujet et avoir vraiment une sensation de volume et de profondeur. Et si on est sur quelque chose de relativement plat, puisque la lumière est diffuse et plate, si vous voulez. Quand je fais de la photo, que ce soit animalière ou un truc
que j'adore, c'est les contre-jours. C'est les contre-jours, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que je jure beaucoup pour les contre-jours et je fais pareil quand je fais les oiseaux. Oh, ça c'est un héron. Petit patapon. Et je fais pareil ici, donc la place que j'occupe ici, donc là, n'est pas anodine, le soleil se lève là. Je ne vais pas me mettre avec le soleil dans le dos pour bien éclairer mon sujet, non, je vais justement chercher ce contre-jour, donc c'est-à-dire que le soleil va se situer pile en face de moi, idéalement un petit peu sur le côté pour qu'il touche non pas uniquement l'arrière de l'animal, mais un peu le trois quarts arrière, si vous voulez. Et je n'ai vraiment pas peur de commencer à photographier avec le soleil qui vient en plein dans l'objectif, etc. Ça ne me pose aucun problème. Je ne recherche pas une photo d'oiseau zoomée plein cadre pour bien voir l'animal. Ce que je veux, c'est le représenter dans son environnement. Donc avoir plutôt une photo témoin naturaliste, on pourrait dire même photo naturaliste plutôt que photo animalière. Mais j'aime bien le représenter dans son environnement. Alors c'est peut-être mon goût pour la photo de paysage qui fait que j'aime bien avoir un petit peu de paysage et l'animal. Voilà. Chacun a sa sensibilité photographique, comme je le dis à chaque fois, et tant que vous prenez du plaisir à le faire, c'est le principal. Mais là, toujours et que sans soleil, c'est un petit peu morose comme ambiance. Mais voilà, je passe un bon moment, j'observe. Si vous ne faites pas des photos extraordinaires lors de vos sorties, dites-vous que quand même vous avez observé des choses, vous avez peut-être remarqué des habitudes que les oiseaux ont, etc. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure, et ça fait partie un peu de votre bagage d'expérience. Voilà, moi tout à l'heure, le pic, c'est pas quelque chose que j'observe beaucoup, mais là, j'en ai profité, j'ai un petit peu regardé, voilà, les habitudes qu'il avait, comment il pratiquait, comment il tournait autour de l'arbre. Voilà, des petites choses, et puis on récolte un petit peu des informations sur son environnement, et c'est ça qui est cool. D'ailleurs, en parlant d'environnement, hier j'ai fait une rencontre extraordinaire avec un renard. Alors tout bête, hein, je vais m'asseoir. Oh. En attendant que le soleil se lève. Alors tout bête, le matin, en partant sur le chemin du travail, je vois un renard dans un champ, donc je prends les jumelles, je l'observe, je regarde un petit peu. Voilà, à mon avis, il regardait un petit peu pour trouver sa nourriture. Je me suis dit, le soir, il y a quelque chose comme ça qui me tient, viens, retourne. Mais vraiment comme ça, hein. Enfin, retourne un petit peu voir, comme s'il y avait une petite voix intérieure, vous allez me prendre pour un fou, il disait, retourne un petit peu voir où tu as vu le renard. Donc je suis retourné sur cette partie-là, je regardais, alors forcément j'ai pris mon appareil photo, j'ai filmé un peu le coucher de soleil, etc. J'avais plus de batterie, forcément, je me retourne, j'aperçois le renard dans le champ. Et en fait, j'étais ni plus ni moins, 50 mètres, 60 mètres de lui, et je bataillais un petit peu parce que j'avais plus de batterie. Je vais vous mettre les images là, c'était sur le soir, donc il faisait très très sombre, et en fait tout simplement le terrier était derrière lui. Voilà, je suis un peu réticent à aller photographier au terrier, il faut vraiment être assez expérimenté pour ça, pour ne pas faire fuir l'animal et les éventuels petits qu'il y aurait, etc. Donc voilà, je vous passe les détails, mais ici on est là pour faire des passereaux et il n'y a que ça que je fais pas, j'arrête pas de parler à la caméra. Je vais continuer mon petit tour. Je suis vraiment déçu par la météo. Il n'y a rien à faire pour le type de cliché que je veux faire. Le soleil, en tout cas un soleil présent, est indispensable. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quand même des arbres extraordinaires. C'est difficile à évaluer combien d'années ils sont là, mais mon Dieu. Quel symbole de force. En fait, c'est ça que je vois dans un arbre. Un symbole de longévité et de force et de robustesse. Ça y est, il va nous sortir un poème, lui.
Waouh! Celui-là. Regardez un petit peu celui-là. Ça, je veux le photographier. Hein. Alors moi, j'ai toujours une solution B. Si j'ai pas d'animaux, je fais du paysage. Si je vais faire du paysage et que les conditions climatiques ne sont pas optimales, je vais me rabattre sur des oiseaux ou essayer d'aller à des endroits où je sais que je vais voir des chevreuils. Voilà. Je suis toujours rassasié au niveau photographique. Ouais, celui-là, il faut que je le photographie. Et je vous montre ça. Trop long, vous allez être surexposé. Donc, après les réglages, si vous voulez photographier en mode automatique, faites en mode automatique. L'important, c'est d'observer les sujets, de les photographier, d'après avoir un témoignage de ce que vous avez pu vivre sur le terrain. Parfois, on est un peu trop omnibulé pour avoir le bon réglage. Ça me fait toujours un peu rire. Ah, mais là, si tu avais fait ça, t'aurais gagné un diaphore. Ouais. Ouais, en attendant, un petit oiseau, un petit troglodyte, je vous garantis que si vous n'êtes pas directement dessus, essayez de vite trouver la mise au point et de le photographier, vous êtes toujours en train de chercher vos réglages, qu'il a déjà fait trois autres endroits et que vous êtes toujours en train de chercher le bon réglage. Donc là c'est parti, je vais faire la photo et je vous montre tout ça après pour voir un petit peu parce que j'ai pu photographier, parce que je vois qu'il y a des oiseaux qui vont se poser dans des endroits de lumière. C'est ça qui est intéressant quand le soleil est bas, c'est que vous avez des parties d'arbres. Avec des parties éclairées, d'autres foncées, et c'est bien quand les oiseaux vont se mettre sur ces parties éclairées, ça les met vraiment en lumière, et comme ça en post-prod, vous êtes quitte de devoir commencer un petit peu à jouer avec les ombres et lumières pour pouvoir leur mettre en valeur, donc c'est cool. Et tant que le soleil est là, je vais en profiter, donc j'arrête de parler. C'est littéralement un jeu. Alors, je vous avoue que je reste pas continuellement assis là, parce que bon, il y a 360 degrés, et parfois vous devez un petit peu vous décaler
parce qu'il y a une branche qui est devant l'oiseau ou l'autre, donc bien souvent je me mets en position comme ça, hop, je peux un peu me décaler, voilà, un petit peu de gymnastique, mais c'est cool. Alors je suis content, j'ai photographié ma petite maison Juppé, enfin je pense, il faudrait que je vérifie parce que comme ça sur mon petit écran c'est difficile, mais je pense que c'est ma maison Juppé. Et la loge que je vous parlais ce matin, ben je pense que c'est une loge de maison Juppé. Donc là je pourrais me dire je stoppe, je n'ai même pas besoin de plus que je fasse des photos ou pas. L'important c'est que j'ai vu une espèce que ben, j'avais jamais vu. Si, je l'ai vu une fois quand je suis venu ici d'ailleurs, il y a une semaine ou deux. Et c'est la première fois que je voyais une maison Juppé. La photo est pas ouf, mais voilà, j'ai récolté une information sur le terrain. C'est que dans cet arbre que je pensais abandonné, eh ben non, il y a une petite loge de maison Juppé. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire. Pourquoi ? Ben parce que la prochaine fois, je peux venir me positionner à un endroit que je trouve bien au niveau du cadrage et bien au niveau de la lumière, et je peux rester là. Et c'est vraiment là qu'on va aller chercher toute la quintessence d'un cliché, d'une photo naturaliste ou animalière, appelez-la comme vous voulez. C'est, je pense, c'est tout un aboutissement d'avoir récolté des informations sur le terrain pour ensuite, après, pouvoir faire une photo dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors je dis que je pourrais arrêter là, c'est bon, j'ai récolté une super information aujourd'hui, mais non, il y a plein d'oiseaux, le soleil est comme je l'adore, rasant, assez chaud. Chaud, je parle au niveau température couleur. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais fait un petit rouge-gorge quand on était venu préparer les affûts avec Adrien il y a 3 semaines d'ici. Je vous mets la photo du rouge-gorge que j'avais fait. Voilà, je trouve cette photo assez sympa. Pourquoi ? Alors, comme je vous dis, moi je ne suis pas adepte d'aller vraiment photographier l'oiseau en plein cadre. Donc j'aime bien le représenter dans cet environnement. Et là, je le trouve, voilà, tout chétif avec cette grosse racine d'arbre. Il est représenté dans son environnement. Il y avait une lumière en arrière. Donc vous voyez qu'il est par lui-même mis en exergue. Et au niveau couleur, on a le rouge orangé. Plus un orangé qu'un rouge, mais avec les feuilles, les feuillages, etc., un petit peu dans les mêmes teintes. Donc je trouvais ce cliché très intéressant, et ça montre un petit peu le type d'image que j'aime bien faire en nature, c'est-à-dire l'animal représenté dans son environnement. Voilà. Je parle encore beaucoup trop, je vais avoir des gigas de rush. Gottverdum. Oh. Hey. Passe le temps comme on peut. Et qu'il est con ce belge. Ah, mauvaise pioche, ça c'est pas possible. Mauvaise pioche. Faut bien les manger, ces œufs en chocolat, pardon. C'est un des. What is that? Ah, il est un peu caché, c'est la branche. Ah mon petit coco. Énormément de bus pour le moment. Sur la route de mon boulot, qui n'est pas très longue, il y a peut-être 15 km, le nombre de bus qu'il y a sous les piquets, faudrait que je les dénombre une fois pour voir, c'est incroyable. Bref, donc énormément de bus. Alors je dis bus parce qu'au loin, la plupart du temps, on a peu de chances de se tromper si on dit que c'est une buse. Mais parfois c'est d'autres types d'oiseaux. Que ce soit faucon ou autre. Mais... Dès qu'il y a un bruit, moi, je dis ça y est, un chevreuil. Bon, c'est pas ouf, hein, quand même. C'est pas ouf, mais ça fait partie, voilà, ça fait partie du jeu, de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Sympa.
Je l'ai de plus près ma maison Juppé, je me demandais ce que c'était, et quand j'ai zoomé dessus, je suis tombé dessus. J'ai essayé de la filmer, mais forcément, j'ai fait une rafale de, je sais pas moi, 15-20 photos. Le buffer était rempli, donc le temps qui se vide, parce que forcément, avec, c'est ça aussi que du matériel plus perfectionné ben, vous offre comme confort, c'est que voilà, tout est plus rapide, et là j'ai dû attendre que le buffer se vide, je me dis elle va s'en aller, donc j'ai su un petit peu la filmer, en tout cas j'espère. Mais je l'ai en photo. Et je suis là. Hop, regardez. Elle était juste dans le petit arbre là. Et franchement, ben avec juste cette photo là, je suis content. Je suis content. Parce que c'est juste en plus dans. On a tous ces jeux d'ombre et lumière avec les feuilles, etc. Ah, magnifique. Super. Franchement, je suis. Ben, je voulais pas montrer la photo. C'est ressourçant au petit matin comme ça. Voilà, un petit moment de partage avec la nature, un petit moment qui n'appartient qu'à vous. Oh, mal au bras. Je vais continuer un petit peu dans cette sapinière là, voir ce qu'il y a, parce que mon bruant jaune j'y tiens. Mais t'es jamais content, tu viens de faire une maison Juppé. Ouais, mais mon bruant, j'y tiens. C'est pas toi qui nous as dit début d'épisode de rester à un endroit, si. Si, mais alors je sais pas comment ça va se dérouler le jour où on va faire avec Adrien un affût. Je sais pas comment je vais faire pour rester 3-4 heures au même endroit. Je sais pas, j'ai besoin de bouger, je vais rester une demi-heure à un endroit. Mais à un moment donné, il faut que je marche, que je sais pas. On verra bien. Si ça se trouve, à du temps où je faisais pas mal de pêche, je restais bien des heures au même endroit, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Honnêtement, là, ça c'est un endroit où un sanglier est venu dormir. Je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit qu'il y a des coulées. Vous voyez ici? Donc il y a quand même une faune bien présente. Il y a quand même une faune bien présente ici. Et bon, c'est pour ça aussi que j'aime pas non plus tout le temps m'y aventurer, etc. pour gêner le moins possible, mais bon, voilà. J'ai fait un petit oiseau sympa, là. Or, non, vous voulez pas, hein. Je connais pas toutes les espèces. Faut parfois que je sois posé à la maison, tranquille, pour être certain de l'espèce. Voilà, ici. Moi, je l'ai filmé un petit peu. C'est sympa. C'était sympa. Et voilà la photo, évidemment. Sur le pic, en plus il était bien sur le côté de l'arbre, on voyait bien sa silhouette le temps que je pose la caméra, que je mette vite mon appareil, que je le photographie. Ah ouais, et en plus, eh non, il tournait, donc j'en ai une là, il est sur le côté, celle-là est floue, celle-là est plus ou moins nette, mais il est déjà en train de pivoter sur le côté. Ah, comment je suis dégoûté. Dégoûté. Ah, il était super bien positionné. Je suis sûr, j'aurais pas eu la caméra et tout ça, à vite devoir déposer le pied. Et là, je l'aurais eu nickel. J'aurais peut-être même eu le temps de le filmer. Mais là, il est parti. Enfin bref, je sais qu'il vient dans cette zone-ci. Voici encore une information de récolter.
Au matin, j'étais juste là sur la souche et il passait, il est où là, de Starpla à Starmla. Voilà. Alors, je sais pas s'ils reviennent, je pense hein, qu'ils reviennent quand même régulièrement aux endroits de type familier, mais. Oh, il était super bien, tout était dégagé. Bon, voilà, j'ai une photo ratée, ça arrive. Ce matin, je sais pas ce que donnent les photos parce qu'il faisait assez sombre, mais j'ai su le filmer. Ah, je suis revenu au point de départ. Le balai aérien commence tout doucement à se mettre en place. Je suis retombé sur ma mésange. Là, sur ce magnifique petit boulot en devenir. Ouais, c'est un boulot, ouais. Je suis pas fou. J'ai chaud. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode. Encore une fois, merci de l'avoir suivi. C'était un petit épisode voilà, pour se redégourdir les jambes en nature. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le petit blabla habituel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et blablabla et blablabla. Laissez un like et suivre ma page Instagram. Je vous fais grâce de toutes ces petites publicités entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ce petit moment en immersion avec moi en nature vous a plu. Alors les photos réalisées aujourd'hui sont pas non plus extraordinaires. Néanmoins, je vais quand même vous remontrer ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui tranquillement. Ouais, somme toute, avec les conditions climatiques qu'il y avait, avec le peu... vraiment, aujourd'hui, c'est bizarre. Il y avait nettement moins d'activité au niveau des oiseaux qu'habituellement. Mais bon, voilà. On aura remarqué que mon oiseau du jour, apparemment, c'était... la mésange huppée, ouais. Très bel oiseau, magnifique. C'est un oiseau que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que je n'avais vraiment jamais aperçu. Alors, par chance, certains l'ont dans leur jardin, moi pas. Des moineaux, il y en a à foison, mais une mésange huppée, non. Néanmoins, j'espère que cette immersion avec moi dans la nature vous a plu. Voilà un petit coin, tout ce qu'il y a de plus commun, entre guillemets. Mais croyez-moi que... Ah, forcément, je loupe des oiseaux en vous parlant. Mais croyez-moi que sur le petit matin, quand le soleil est bien rasant, qu'il y a une petite brume matinale, bah encore une fois, vous êtes dans un univers qui vous donne une énergie extraordinaire et vous met littéralement le cul par terre. Donc voilà, je pense que la séance est terminée pour aujourd'hui. Je ne vais pas non plus m'acharner. Les photos ne sont pas non plus extraordinaires. Mais voilà, c'est un beau témoignage du moment que j'ai pu vivre ce matin en nature. Donc c'est cool. D'autres photos viendront et d'autres épisodes en nature viendront. Là, c'était un petit peu pour remettre la machine en marche. Et j'espère que ça vous a plu. Encore merci d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Bah, ça fait plaisir et toute votre bonne énergie, ça m'aide à poursuivre un peu cette aventure photographique et cette aventure nature. Je le répète une fois, j'échange pas mal avec vous. Je vous propose de participer à des épisodes et tout ça. Ça se fera le tout, c'est vraiment que je trouve ça dans mon planning pour le caser. Donc voilà, il y a pas mal d'épisodes en tout genre, voilà, avec des personnes qui ont des aspects photographiques différents, voire nettement différents du mien, et aussi d'autres univers. Donc ce ne sera pas forcément que de l'animalier, mais il y aura d'autres épisodes en vue. Donc voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Comme à chaque fois, je m'étale. Je me fais mal. Elle est nulle. On va encore dire que les Belges ont un humour de merde. Bon bref, je vous laisse. Encore merci d'être sans cesse plus nombreux. Je l'ai déjà dit. Donc c'était Mick sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous, car c'est bien ça tout l'intérêt. Et immortalisez. Je commence à avoir faim, mes aïeux.